Hey, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo The Isle. On va retester le Pteranodon, mais avec un invité, cette fois-ci, Tarki MC. On va faire un petit test avec lui, voilà, lui c'est une des premières fois qu'il joue à The Isle. Et je lui dis Pteranodon parce que c'est un très très bon gameplay et je pense qu'on va se régaler. Salut Tarki. Salut. Oh ça y est là, j'ai hâte. Oh j'ai hâte. Ah tu vois, et en plus le gameplay du Ptera il est vraiment intéressant. Le seul petit problème, j'y ai joué, je suis mort de faim, j'ai jamais réussi à manger. Donc, bon. Yes. Ah bah tous les serveurs. Sont... Oh, merde, tous les serveurs sont pleins quoi. Ok. Je teste E8. Moi c'est en train de rafraîchir. Vas-y, ouais. De toute façon vas-y, on essaie le SCO et puis ouais. Moi je teste E4 pour voir. Oh, je me suis connecté. Oh, EU4 du coup. Ouais. Allez bon, reste-y. J'étais pas du tout prêt. Je pensais être vite comme d'hab. Reste-y, je rafraîchis jusqu'à y aller. C'est pas grave. Eh bah c'est parfait. Phase de test 2. Voilà. Ok, super. Après l'échec cuisant de la veille, vous voyez qu'encore... Aujourd'hui, on va réussir, ouais, voilà. Les serveurs européens sont encore blindés. Ah ouais, c'est un truc de taré, hein. On a même pas pu se connecter, on a essayé pendant 1h15, même voire plus. Ouais, une heure et demie, hein, je dirais. Et heureusement qu'ils ont rajouté des serveurs américains, donc on va aller dans un serveur américain. Confirmé. Alors, où est-ce que tu veux spawn? Ouais, je dirais, vas-y, nord. Allez. Comme ça, on est à côté de la plage, ouais, il y a un truc où on peut se repérer. Quoi. Ok, let's go. Franchement, je te dis, celui-là, c'est un bon dinosaure parce que bah, il grandit très vite. Donc rapidement, mm-hmm. Tu vois, tu as toutes les stats qu'il te faut, tu as toutes tes stats maximales. Et en plus de ça, vu que c'est un volant, tu peux te déplacer super vite sur la carte. Donc, c'est-à-dire voir la map à quoi elle ressemble. Et en plus, croiser plein d'autres dinos. Après, il reste juste à se retrouver, hein. Bah écoute, ouais, ça je pense que c'est vraiment le truc le plus compliqué parce que là, je suis paumé en pleine forêt, un peu compliqué. Bah moi j'essaie d'aller au nord, voilà. Je vais au nord parce que logiquement au nord il y a la mer. Et, bah ouais, mais je sais pas par où c'est moi le nord. Et dis-moi tes locations, tu vois, il y a écrit asset location, latitude, longitude, altitude. Alors, latitude moins 59,0675 et longitude moins... 469,781,656. Attends, je vais t'amener dans un endroit où tu pourras voler autant que tu veux. Là où je suis, c'est incroyable. Vraiment, c'est super beau. Bon, je pense j'ai hâte d'arriver. La journée sera mieux. Ouais, parce que là, j'imagine que tu es perdu au milieu de la jungle. Totalement. Ah ouais. Alors, moins 400 et quelques. En longitude, je suis bon. Par contre, en latitude, il va falloir faire un effort parce que je suis pas du tout là. Et en fait, j'ai une espèce de montagne qui fait 800 km au-dessus de moi. Ok. Alors, latitude. D'accord, bah alors, je pense que. Attends, je vois la mer. Oui, c'est pas le bon côté, merde. Ah, tu vois la mer? On est. Ok, à c'est côté. Bon, je me suis lancé. Je suis en train de voler. Je vois actuellement une plage. Ok, bah. Mais fait combien de kilomètres la montagne? Ouais. Ah, t'as vu, elle est énorme. Hein. Bah, go sur la plage. Vas-y, je vais vers la plage. Ça va être très très long parce que là, vraiment, mon terrain, mais il est hyper lent. Est-ce que mais tu t'inquiète, vois... ça va le faire, j'arrive. Est-ce que tu vois l'île? Il y a une micro-île avec trois rochers dessus. Vraiment pas. Hein. Non. Moi j'aurais tellement aimé que tu dises oui, j'y suis. Je crois que je t'ai entendu crier. Ah bon, j'ai crié? Ouais, je sais pas, t'as peut-être pas crié alors. Ouais, je vois des rochers hyper pointus à droite. C'est toi qui es en dessous de moi là? Toi qui es sur la en plage? En dessous de toi? Ouais, je suis sur la plage moi. Attends, je vais sauter pour voir. Attends. J'ai plus le stam, j'arrive pas à sauter. Oui, là c'est bon, juste. Oui, oh, c'est toi, je te vois. Oh, je te vois. Oh, Tog. Oh putain, excellent, enfin. Oh là là. J'ai un petit problème pour atterrir. Par... Oh, tu t'es vraiment ramassé comme une merde. Oh la vache. Alors, on a grandi, je suis à 47%. On a mis la moitié de notre croissance. Ouais, pareil, 47%, vraiment, c'est honteux. Oh là là, attends, vas-y, je vais aussi m'allonger. Bon, alors. Là, je pense que tu as plus beaucoup d'eau. Ouais. Et niveau faim, pareil. Donc, je fais la moitié. La faim, ça va. On peut arriver adulte sans manger. Oh, regarde-moi ça, ce lever de soleil, Tog. Regarde-moi ça. En vrai, c'est super beau quand même. Cette image, mais. Oh, c'est génial. Hop. Tu vois, c'est ça qui est quand même pas mal sur ce jeu. Ok. Oh, oui, c'est bon. Nickel. Oh. Parfait. Oh, allez. C'est bon. En même temps, faut vraiment, vraiment vite aller trouver de l'eau parce qu'on va mourir sinon. Ouais, ouais. Oh, c'est magnifique. Oh, j'adore. Et normalement, j'adore t'as, une voler, touche, t'as une touche sprintée et ça te fait accélérer. D'accord, ok. Regarde, là, je vais te dépasser. Attention à la droite, la queue de poisson. Wesh. Ok.
Mais ça consomme aussi énormément de sable. Mais tu vois, là, déjà, on en consomme beaucoup moins maintenant qu'on a pas mal grandi, tu vois. Ouais. Oh, c'est génial, j'adore voler, vraiment. Ah, il y en a un autre! Oh, alors, Ah c'est ouais? toi? Ah non, non, c'est un autre. Oui, c'est un autre. Il Bon. peut nous bouffer ou pas? Ah ouais, il peut clairement nous bouffer, là. D'accord. Alors, du coup, qui est qui là? C'est la question. Moi, je te suis là, t'inquiète, c'est moi ça. Ok, super, l'autre il s'est cassé. Ouais. En vrai, je l'aurais bien bouffé, mais l'eau est tellement importante là que. Bah là, ouais. Parce que là, je suis à zéro. Hein. Et Ouais, pareil, je suis à zéro aussi. je crois qu'on meurt vraiment très, 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 très vite quand on a soif. Ah ouais? Ouais. Putain, faut vraiment vite qu'on trouve de l'eau, hein. Ouais. Là, je t'avouerai que c'est un peu la crise. Tu me suis là? Ouais. Ouais, totalement, totalement. Vraiment, je découvre un petit peu le paysage, je vole un petit peu, mais quel plaisir, vraiment, j'adore. T'as vu, c'est Ah, parce bien, qu'avant, hein. tu sais, en fait, c'est pour ça que j'arrivais pas beaucoup à voler, en fait, c'est au début. C'est parce que je freinais en même temps, c'est pour Ouais, bah ça. ouais, c'est sûr que ça aide pas. Oh putain, l'arbre. Et en fait, c'est voilà, c'est vraiment ça, moi, qui me plaît avec le pté. C'est que bah, tu peux tout découvrir très vite, tu vois. Là, si tu as Non, un mais tellement. dinosaure à quatre pattes où tu mets 6 heures à devenir adulte, je te dis que la map, tu la découvres jamais. Hein. Oh oui, Jamais. je pense que clairement oui. Par contre, vraiment, il y a le souci, il n'y a pas d'eau. Ouais, il y a de l'eau. Là, il y a de l'eau là, juste en Ouais. bas. Ouais, attends, par contre, fais très attention, il y a des crocodiles, hein, du coup. Il y a full Ok. croco. Hein. Ouais, il y en a Ok, là. ok, ok, ok. Ouais, De te quoi, poses pas crocodile? ici. Ouais, te poses pas ici. Ok. Putain, je me suis posé dans un arbre. Je te vois plus. T'es Je me suis perdu. posé, je me suis rétamé la gueule. Ok. Le truc c'est que je vais boire, je suis obligé de boire, je vais crever. Je suis à la Vas-y, moi cascade. Hein. je vais voir. Là, je suis obligé de me poser pour les boire. Ok, eat to drink. Le truc c'est Allez, qu'en fait les allez. crocodiles là quand ils sont dans l'eau, ils voient les... comme tu sais les petites ondes, ils ont un sixième sens en fait. Ouais. Où ils ont des petites ondes et en fait ils savent qu'il y a quelqu'un qui boit. Donc il faut vraiment pas boire longtemps. Voilà, bah je suis mort. Du coup, c'est-à-dire que là, tu dois recommencer de zéro? C'est ça. Oh non! Où est-ce qu'on peut en trouver de la bouffe? C'est bien ça le problème, c'est que moi je t'ai dit la première fois que j'ai joué, je suis mort de faim. D'accord, ok, génial. Hein. Je crois que je te vois, je suis Sachant au-dessus que de je toi. suis à 94%. Oh, je suis juste là. Toi, t'es passé à côté de Rocher, non, là, à l'instant? Ouais. Là, je suis en volant. Ouais, bah je te... Je suis là, je suis au-dessus de toi. Ah oui, c'est bon, je vois une ombre. Coucou Starkey, je suis le bébé. Hop là, on va se poser ici. Attends, mais moi je peux pas monter, j'ai plus de stam. Attends, j'essaie de venir. Attends, je te vois pas. Ah oui, t'es là. What? Ah, je t'ai vu. Non. Bonjour. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, Aïe. j'arrive, j'arrive. Là, je suis tout petit, je sais pas encore voler. Là. Ah ouais! Wow. Je me suis rétabli la gueule. Je me suis rétabli la gueule comme jamais. En vrai, tu sais quoi? Vas-y, bouffe-moi. Tu vas mourir de faim sinon. Tue-moi et bouffe-moi. Tu Je penses? reviens. Ouais, tu vas mourir sinon. Ok, bon, écoute. Aïe, enfoiré! Attends. Et voilà. Vous avez vu Starkey? Le mec, je l'aide à découvrir ça. Vous voyez ce qu'il fait? Et ouais, je t'ai tendu un Oh, piège. sérieux? Attends, du coup, attends, j'étais dans le bec, mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de toi? Bah, je sais pas, y a pas un truc pour écrire à manger? C'est n'importe quoi, j'étais dans le bec! Tellement d'inno-respect! Ah oui, c'est bon, je fais E. Ok, d'accord. Là, du coup, je suis retour au truc d'avant, là où t'étais mort. Bah, du coup, tu peux survoler le point d'eau doucement, tu vas très doucement. Et si tu vois Ouais. des petites bulles d'eau, c'est certainement des poissons. Et en survolant, tu fais clic droit et tu risques de choper un Ouais. poisson. Voilà. Ok. Et je te dis, c'est toute la difficulté du gameplay de terrain, hein. C'est hyper dur. Hein. Ouais, je pense que clairement je vais mourir. Hein. Là, il me reste presque rien quoi, de vie. Oh, j'ai rebu de l'eau, il y a un croco qui a failli me bouffer encore. C'est un caillou, ça, d'accord. Je crois que c'était un joueur. Je pense que je suis mort. Parce que il a. Ouais, voilà. Je suis mort. Et genre, ça m'a fait plonger dans l'eau. Et me revoilà petit. Oh là là. Bon, je vais essayer de pêcher. Vas-y, vas-y.
J'ai un poisson. Genre. Par contre, je suis au milieu de la rivière. Hein. Je suis tombé dans l'eau au milieu. Me mangez pas, s'il vous plaît, les crocos. S'il vous plaît. Première fois que je pêche. Oh là là, j'ai plus de stam, je vais me noyer, quoi. Non, vas-y, s'il te plaît, fais pas ça. Demande pas. J'ai réussi à avoir un poisson. Comment on fait pour le manger? Non, comme tu vois. Ça m'a remis full nourriture. Oh la vache. Ok, normalement je suis là. Ah, c'est bon, je te vois. T'es où? Ouais. Salut mon copain. Hey mon copain. Alors je vais aller boire un coup, en espérant ne pas me faire bouffer. Vas-y, non, si tu te fais bouffer, je suis désolé, je rigole très très fort. Ah, ça serait terrible, là, parce que vraiment, ça fait 3 heures que je vole. Là. Vas-y, je te regarde. Je te regarde vraiment très attentivement. L'atterrissage, toujours pareil. Parce que les crocos, en fait, tu les vois vraiment à la dernière minute? Ah ouais, tu les vois quand tu es dans leur bouche. Hein. D'accord, ok. Ok, tu vois, j'ai bu un peu ici, je vais aller boire là-bas maintenant. Ouais. Voilà. Je veux pas prendre de risques. Bah, par contre, l'atterrissage, c'est vraiment problématique. Oh, par contre, je lag, c'est horrible. Ouais, ouais, je lag aussi, de ouf. Voilà, c'est bon, je me mets pas full haut, je m'en fous. Juste, j'ai survécu. Ok, et là, en gros, je pense qu'on peut faire, c'est. Voler au-dessus de la rivière, je vais juste reprendre ma stam quand même avant. Voler au-dessus de la rivière jusqu'à trouver un petit point où on peut pêcher. Et en fait, là, quand tu te relèveras, tu vois, tu pourras sentir. Et tu verras qu'il y aura des traces odorantes rouges. Et en fait, ça indique qu'il y a des carcasses pas très loin. D'accord. On pourra aller peut-être essayer. Alors, je te vois. Du coup, je vais sentir un coup. Ah oui, d'accord, ouais, là-bas, ouais, j'ai vu. Après, les carcasses, ça peut être un piège. Hein. Ok. Voilà. Vas-y, moi, je serais quand même d'avis d'y aller, au moins voir ce que c'est. Vas-y, hein, go. On peut sentir quand on est en l'air? Ouais. Ouais, tu peux. Mais je sais pas, ça, je viens de le faire, ça a pas marché. Ah si. Okay, ah, on a rasé. Ouais. Ok. Elle est là, ça veut dire? Il y a un croco, il n'y va pas. Ok. Tu le vois là? Pas du tout. Ah, mais c'est un crocodile mort! Aïe! Tu t'es craché? Ouais. Du coup, tu penses qu'on peut. Je peux me poser? Ouais. Tu me vois là? Ah non, il y a un truc, il y a un raptor. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc. C'est un carnot. Ah bah voilà. Il va prendre la carcasse. Ouais, genre là tu vois il est bébé mais il est trop fort pour nous quoi je crois. Ouais ouais. Même adulte on peut pas se le faire. Je vais essayer de le taper mais. Ah fais gaffe. Il t'a tué? J'arrive pas à décoller. Non, pas maintenant. Zinedine. Attends, je te vois. Non, je me suis tombé. Karma. J'arrive pas à décoller! Non. Mais c'est l'enfer! Non, il m'a tué! Oh là là, eh ouais, mais ça c'est les lags! Il m'a tué, putain! Oh merde! Le gameplay en Ptera il est dur parce que vraiment. Ouais. On est des chips, littéralement des chips! ouais, c'est ça! Et puis sur le serveur c'est vraiment pas facile! Là j'ai pas pu décoller! Ouais, non, NA c'est vraiment compliqué! Je pense que c'est à cause du ping que j'ai pas pu décoller! Hein. Bon, bah j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo en compagnie de Starkey qui découvre enfin cette mise à jour The Isle! Alors t'en as pensé quoi, Starkey, de ce petit pteranodon là? Et bah c'était vachement cool en tout cas! Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir tout ça parce que j'ai vraiment kiffé! Tant mieux! On essaiera peut-être une autre fois sur des serveurs un peu plus stables si les Européens ont assez de la place! Parce que c'est quand même compliqué d'aller sur des serveurs européens. Bah et là hier on a testé pendant je dirais 1h, 1h30 et on n'a pas réussi du tout hein, vraiment. Ouais, c'était vraiment compliqué, hein. vraiment compliqué. Et du coup la vidéo est terminée, allez checker la chaîne de Starkey. Il fait beaucoup de arc pour les amateurs. Il fait du Minecraft, il fait quoi aussi Starkey? Bon, je vais faire un petit peu de tout, un petit peu de Valheim, un petit peu d'Among Us, un petit peu d'Isles, voilà, peut-être parfois un petit peu d'IRL, ça va dépendre. Oh, voilà. IRL, oh. Oui.
Ouais, ah oui. Un petit peu d'IRL, ça fait plaisir. Bon, ok, bah écoutez, allez voir si ça vous intéresse quand même. Même si ça vous intéresse pas, vous y allez et vous abonnez. Sinon, vous savez les conséquences que ça aura sur vos personnes. Non, bah, restez calme. Et bah, c'était tout pour moi. Tchuss tout le monde. Salut, tchuss.